C'est pourquoi tout prophète ne peut pas se prétendre être époux de l'Église. C'est là où j'ai dit, bande ko baduke le branama problème te. Branama zake époux te. Époux de l'Église, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans le message, on ne prêche plus Jésus. Il prêche Branham. Le chemin, c'est frère Branham. La vérité, c'est frère Branham. Si un aveugle conduit un autre aveugle, tous deux tomberont dans un trou. Choisissez un pasteur rempli du Saint-Esprit qui vous prêche Jésus-Christ. Branham, c'est le prophète de Jésus. Branham, Azali, Monsakoliaye, choisissez un pasteur qui vous prêche qui? Jésus. Aujourd'hui, nous avons un message. C'est le message prêché par le prophète de Dieu, William Branham. Le pasteur doit vous dire, suis-moi, comme moi je suis Jésus. Donc, le pasteur doit être votre absolu. Et il doit parler comme Branham. Suis-moi comme je suis Christ. La mort, Liwa. 10 sur 10, mon frère. La mort frappe aussi les riches. La mort ne vous demande pas vos diplômes. Liwa est la mort, Liwa est devant nous tous. Rentrons un peu dans cet homme ici. Jésus a dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, Azali kokamba beaucoup fermi sur mon sous, tous deux tomberont dans un trou. Bangomi baleba koko ya kata libulu. Choisissez un pasteur rempli du Saint-Esprit. Pona mokangali moko ya tonsami na molimo santu. Qui vous prêche Jésus-Christ? Oyo à côté ayo Yesu Christo. Aujourd'hui, dans le message, on ne prêche plus Jésus. Il prêche Branham. Branham, c'est le prophète de Jésus. Branham, choisissez un pasteur qui vous prêche qui? Jésus. Jésus. Choisissez un pasteur qui vous prêche tout le message de frère Branham. Aujourd'hui, nous avons un message. C'est le message prêché par le prophète de Dieu, William Branham. Si le pasteur ne vous prêche pas ce message du soir, ne le suivez pas. Choisissez un pasteur qui peut vous dire je ne suis jamais tombé. Comme un pasteur à Kinshasa. Ouais, moi je ne suis jamais tombé depuis que je me suis marié. Il y a des pasteurs qui tombent. Le pasteur doit être le modèle du troupeau. Le pasteur doit vous dire suis-moi. Comme moi je suis Jésus. Mais Jésus, vous ne le voyez pas. Yesu, bon, mon akena mi sauté. Ça vous le savez, je crois. Paul a dit, soyez mes imitateurs. Bonsala ba mekoli na ngai. Ça je dois lire. Wana na kotanga yango. Il n'a pas dit oh, la grâce. Romio ngolu ngolu. 1 Corinthiens 11. Ba kolinki. Ya liboso zomi na moko. Soyez mes imitateurs. Bonsala ba mekoli na ngai.
comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens 11, chapitre, verset 1er. Oui, Christ, vous ne le voyez pas. Mais Paul, vous le voyez. Kasi Paulo omona kai. Imiter Christ. Akolo manote, mais kola Christ. Mais moi ne me suivez pas. Kasi ngai bona nanga ite. Soyez mes imitateurs. Te boza la ba me koli nangai. Comme moi je le suis de qui? De Christ. Ndenge ngai nazali mo me koli ya Christ. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Otomo akolo ba kembo na Nzambe. Frère Branham dit ça à l'ordre de l'église. De 1963. Paragraphe 6. Cela doit aboutir à un absolu final. Et je sais, vous, mes frères, vous me considérez un peu comme votre absolu. Tant que je suis Dieu. Oui. Comme Paul le disait dans l'Écriture, suivez-moi comme je suis Christ. Donc, le pasteur doit être votre absolu. Et doit parler comme Branham. Suis-moi comme je suis Christ. Amen. 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 Mais après tout cela, c'est la mort qui doit venir. Liwande ekoya. Vous avez eu une très bonne formation. Yo obokolamaki malam. Et une bonne éducation. Pe otangi sami malam. C'est très bien. Eza malam. Vous avez beaucoup d'argent. Ozimbongo ebele. Vous avez réussi votre vie. Olongi na bomo inayo. C'est très bien. Eza malam. Mais après tout cela. Bongo simananyo swa. Qu'est-ce qui vient après tout cela? Eloko ni ne kwa na sima. Quoi? Eloko ni. La mort. Liwa. 10 sur 10, mon frère. Zomi likona zomi nde kombali. La mort frappe aussi les riches. Liwa ebeta kape ba kobazwi. La mort ne vous demande pas vos diplômes. Liwa ekotuna yo maplome boni ozala ngote. La mort. Liwa est devant nous tous. Ezali liboso na biso nyonso. Rentrons un peu dans cet homme ici, dans l'histoire de cet homme. Le jeune homme riche. Vous voulez qu'on retourne un peu dans son histoire? Qui veut qu'on retourne dans cette histoire à lever la main? Il a eu une bonne formation. Il a terminé à l'université. Son père était mort. Tata naye akufa naye. Et il a fructifié le bien de son père. Pe ayikanisaki mosolo ya tata naye. C'était un homme excellent. Azalaki mobali moko ya malamu mingi na même dans la religion. Atana makamba kosambela. Il avait excellé. Ye alongaki. Tout ce que Jésus a dit, nyonso yeso alobaki. Il a dit je l'ai fait. Ya lobiete na sala yango. Ne vole pas. Koyibate. Je n'ai jamais volé. Abina tikala koyibate. Ne prends pas la femme d'autrui. Kokamata mwasanganite. Il dit jamais. Abina sala yangote. Depuis mon enfance. Banda bomo anangai. Respecte ton père et ta mère. Pesa tata nona mama no lokumu. Il dit je les ai toujours respectés depuis mon enfance. Alobina kumisa bango banda bomo anangai. Donc il n'avait pas de faute. Erikobeto ozana ba faute ite. C'est pas ça qui vous amènera au ciel. Ezali oyo wana nde ekomema ona lola te. Non. Te. Non. Te. Non. Te. Il faut suivre Jésus. Esengeli kobila Yesu. Vous êtes avec moi? Boza elongo na ngai. Il faut suivre qui? Esengeli kolanda nani? Jésus. Yesu. Ah, comment ça? Tu commettras point d'adultère. Je ne l'ai jamais fait. Pas d'avortement.
Je n'ai jamais fait. Parce que c'est déjà tué quelqu'un quand vous avortez. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Tu ne diras point de faux témoignages. Vous savez, chez nous ici, on a les ondits. Surtout nous les Africains. Est-ce que vous avez entendu? Hein? Peut-être que ce n'est pas vrai. Mais ce rapportage-là, Dieu ne veut pas cela. Tu n'as pas entendu? Et elle a été rendue grosse. Moi, la motion. Et peut-être que c'est faux. Et lui dit, je ne l'ai jamais fait. Moi, je suis allé à l'objet. Je suis allé à la salle. Ah, Jésus a dit alors. Jésus a dit, ah, honore ton père et ta mère. Je l'ai fait ça. Je fais ça. Tu feras du tort à personne. Il dit, moi, je ne fais que donner aux gens. La Bible dit et Jésus l'aima. Bible le bien te Yesu alinga ki ye. Jésus a commencé à faire l'audit. Yesu abandi ko sala ye. De sa vie. L'inventaire. Ko sala ye inventaire. Ah. Il m'a pas donné la première place. Alors il ne m'a pas donné la première place. Il ne manque une chose. Il a dit la vie éternelle. Ça je sais. Mais il te manque quelque chose. C'est Jésus. Est-ce que tu manques Jésus aujourd'hui? Est-ce que yo le lo zangi Yesu? Tu dois placer Jésus dans ton cœur à la première place. Esengeli otia Yesu na motema na yo nesika liboso. Oh non, le berger. C'est le Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est très bien. Ote mon batele za moli mo santo, mon batele za Yesu yemoko. Je le veux bien. Esa malamu toboya la maîtresse c'était Jésus. Kasi mola kisiwana mama mola kisiwana zangi Yesu. Hein? L'enseignant, c'était Jésus. Mola qui c'est école primaire. Et c'est là qui est sous. Non. Le professeur de l'université. Pas la question à l'université. C'était Jésus. Et c'est là qui est sous. Le berger. Mon père lui. Toi es aussi un homme. A coquille qu'on s'appelle moto. Je veux que vous puissiez bien comprendre ça. Nalingi bosso sur la ngoma lamu. Vous devez aussi avoir un conducteur spirituel. Et Sengeli ose la peine à mon cambimo à mon limo. C'est écrit dans la Bible. Et comment il n'a qu'à la Bible? Hébreu 13, 7. Bible les hommes, il a mis ça au sambo. Dit clairement. Et le bien polele. Que nous devons imiter leur foi. Et Sengeli tome kola kondima na bango. Imitez la foi de qui? De quelqu'un qui vous a prêché la parole. Comme kola kondima ya motomoko ya teke liloba. Oui. Je vais lire ça. Lisons. Hébreu 13, 7. Totanga baebele, zomina misato, nzela sambo. Souvenez-vous de vos conducteurs. Bokanisa bakambina bino. Qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Ba oyo basakweli bino liloba na nzambe. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Et imiter leur foi. Vous allez imiter quelqu'un. Votre maman. Maman. Maman, je veux un Dieu couvert de peau. Quand les tonnerres grondent. J'ai peur. J'ai besoin d'un Dieu couvert de peau. L'enfant voyait Dieu à travers sa mère. Mwana azalaki komona Nzambe na nzela mama na ye. Quelqu'un peut dire amen. Motomoko le amen.
ici il dit awa alobi, ne négligez pas celui qui fut votre pasteur et de komona pambate moto yazala ki mokengeli na yo, qui vous a enseigné la parole de Dieu. Oyo alakisa ki yo liloba na nzambe. C'est écrit là-bas. Et comment il peut connaître la Bible na yo? Ah. Et puis il dit quoi? Si marabinin. Considérez sa vie. Comment il a prêché? Comment il a marché? Comment il a agi? Comment Dieu l'a utilisé? Et imiter sa foi. Dieu a tout. L'homme a toujours besoin d'un modèle. Moto. Tango nyonsoza kana bosenga ya ndakisa mo elaxeli. Et dans Hébreux 13, on nous dit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Jésus qui travaille avec lui. Il a travaillé avec Moïse. Il a travaillé avec Pierre. Il a travaillé avec Paul. Il a travaillé avec Branham. Mais imitez la foi de votre pasteur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est là où il y a le problème. Et si Kawanande Bokose Zali. Nous l'avons vécu ici. Tobi Kelango Awa. J'ai honte de le dire, mais je dois le dire. Nazana soni pona kolobango kasi et sengeli kana lobango. Vous voulez que j'en parle? Bolingina lobango. Le guide doit être confirmé. Et sengeli ecclesia. Mo. Mokambi. Atatolama. Oui. Dieu devait confirmer Moïse. Et Seigneur Kinzambe a tête la Mose. Il y va dans la montagne. Appelle le peuple. Benga bato. Je veux parler. Nakosolola. Le peuple savait maintenant que Dieu était avec qui? Moïse. Libote mobimba ba yebaki sekote Nzambe azalaki na ngona Mose. Et ce peuple devait suivre qui? Pe Seigneur ki libote na balanda nani? Qui? Nani? Moïse? Mose. Oh, nous aussi nous sommes saints. Oh, bisobe toza ba sant. Nous tous, nous avons le même Dieu. Biso nous toza na nzambe kaka moko. Datan kore Abiram. Wane zali datan na kola na Abiram. Mais Dieu leur a présenté un Christ. Kasi nzambe atalisi bango Kristo. Qui? Nan? Moïse. Mose. Dieu était en lui. Nzambe zali kat na ye. En portion. Na lolenga ndambe. Te bango. Babila Mose. Et quand ils ont commencé à critiquer Moïse, Dieu n'a pas dit pourquoi vous ne craignez pas Moïse. Non. Pourquoi vous ne me craignez pas? Vous avez vu vous-même que je parle avec Moïse face à face. C'est que Dieu confirme son serviteur. Et Dieu veut qu'on suive son serviteur. Vous commencez à comprendre? Je pense que c'est clair. Il doit être confirmé. Il faut choisir un bon berger. Esengali kopona mobateli malamu. Si vous recevez un mauvais berger, soki ozui mobateli mabe. Écoutez ce que le pasteur Branham dit. Yoka oye mokengeli Branham azoloba. Il dit paragraphe 24. Netena sango tuku mena mine. Être conduit, suis-moi. Kokambama to landangai. Nous devons être conduits. Esengali to kambama. Vous savez, Dieu nous compare à des brebis. Nzambe azali kokokanisa biso na bampate. Saviez-vous qu'une brebis ne peut pas se diriger elle-même? Est-ce que boyebi ete mpate akoki komikamba ye mokote? Le berger est censé conduire les brebis. Mobateli bampate yende asengali kokamba bampate. Amen. Amen. Et il dit, faites attention. Alors, bokeba.
Il dit, savez-vous ce que l'homme a aujourd'hui pour conduire les brebis? Abi boyebi eloko yo moto azanango lelo pona ko kamba bampate un bouc alobi ntaba mobali. C'est le paragraphe 25. Paragraphe 25. Etena sango tukumana mitano. Ça c'est le prophète qui parle. Wana mosakonda lobi. Et dans la vision c'est Dieu lui-même qui a parlé. Pena emone ne lintambe emokonda lobaki. Il a monté à foi banama. Atalisin de kobana. Qu'à cette époque etene lekoyo. L'église était conduite par une sorcière. Ecclesia ezalaki kokamba manandoki moko amwasi. L'église était conduite par une sorcière. Ecclesia ezalaki kokamba manandoki moko amwasi. Je vous dis la vérité. Nazolo mebino solo. Je me retiens. Nazali komi pekisa. Oyoka Jean-Baptiste. Juro azolo ba. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que Zolanda a souhaité, il a ajouté, je ne suis même pas digne de délier les courroies de ses sandales. Qu'il croisse et que moi, je diminue. Et l'ingi kolobani, Jean-Baptiste l'a dit, voici l'agneau de Dieu, je ne suis pas digne de prendre sa chaussure. Pour dire que lui, il est celui qui vient en première position pour récupérer la femme. Mais même s'il désistait, même s'il refusait, moi je ne suis pas digne de récupérer ses droits d'aînesse. Il faut katayer, il faut tika la kakepane. Même s'il me donnait sa chaussure, je ne suis pas digne. La femme est sa kakayaye. C'est pourquoi tout prophète ne peut pas se prétendre être époux de l'Église. C'est là où j'ai dit, bande ou pas que le branam a problème te, branam a zaké époux te. Époux de l'Église c'est Jésus-Christ. Branam, si le prophète il est prophète, mais il ne peut pas être l'époux, parce que même Jean-Baptiste que Jésus a dit de tous ceux qui sont nés des femmes, mon côté kokané naye, il a dit je ne suis pas digne. Même si on me cédait le droit de rachat sur l'épouse là, sur la femme, ezaka yaye, l'époux n'y a que Jésus. Mobali ya moi c'est Yesu. Yesu akoki koza la remplacer te. C'est ce que Jean-Baptiste voulait dire. Jésus, on ne peut pas le remplacer par quelqu'un d'autre. A toi ça prophète, au salam miracle ya ndengenin. On ne peut pas vous céder les droits. Ces droits-là reviennent qu'à lui seul. Car c'est lui qui est digne. Alléluia. N'a pas qu'il y a place,